Ouais. Donc le bourrillon et le franc, il est là. Ouais. Donc si tu prends le bourrillon et le franc, normalement, l'année prochaine, tu pars là. Il faut que je coupe là. Ouais, c'est ça. Alors si tu as peur, et que c'est un peu serré, tu peux faire ça et ça là, tu vois. Comme ça, tu es à peu près sûr. Par contre, là, tu vois, il faut s'appliquer toujours. Même ça ? Ben, bon, ça va, mais c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pour chipoter. Oui, non, parce que chez moi, j'en ai des grands aussi. Donc, non, mais les grands, faut les faire. Hein. Les grands, tu vois, regarde celui-là, là. Regarde celui-là qui n'a jamais été repris. Tu as vu là comment il est il gêne là. Hein. Tu vois, celui-là, là. Regarde-le, là. Tu vois, il gêne pour le recouvrement, là. Ce serait fermé ici, là, s'il n'y avait pas eu ces chicots-là. D'accord. Donc même tout ce qui est comme ça, si tu le recouperas, tu ne seras pas embêté après. Et en taillant sur un œil franc, l'avantage c'est que tu n'as que celui-là. Hein. Quand tu fais ça là, comme habituellement, l'année d'après, il faut que tu recoupes ça. Oui. Alors que quand tu fais juste que redescendre sur les premiers yeux, tu as juste le chicot du bout à recouper. Alors que là, tu as non seulement le chicot du bout, mais en plus le truc de l'année dernière. Oui. Tu te rajoutes des plaies, tu vois. Donc je pense que ce que tu perds, en fait cette taille est plus rapide quoi, c'est juste ça. Un peu plus rapide. Et bah, je sais pas pourquoi je taille moi, c'est pas moi de tailler. Après sur le reste. Alors du coup, l'œil de l'année prochaine ici c'est lequel? Parce que là du coup on va voir, et là on va avoir 1, 2, enfin j'ai laissé... T'as laissé 2, 3 parce que tu veux partir ici. De partir là, donc c'est bon. Ouais. Si tu veux partir là, c'est bon. Hein, je fais mon chieur, je recoupe un chicot là. Par contre, là t'as pas attendu à aller tous dans la même direction. Non, mais comme elle va faire que des plaies sur du bois de 1 an, bon ça va aller mieux après. Hein. Donc ici là, bon c'est même direction, même direction. Avant ça ne l'était pas. Hein. Bon, de toute façon, tu es là. Hein. Donc, tu as choisi de prendre sur celui dessus. Ouais. Donc, l'œil pour l'année prochaine, bourrillon, premier œil, l'œil c'est lui. Ouais. Ok. On aurait pu prendre sur celui dessus. Là. Sur celui-là? Mais si on. Là? Ah oui, probablement. Alors, si tu fais ça, c'est que tu décides, de grouper tes plaies. La question, c'est est-ce que tu as une plaie ici? Ouais. Pas tant. Tu aurais pu le faire, ça. Couper là et prendre celui-là. Tu aurais pu. Même si, pour la plante, je le répète, c'est moins traumatisant ça que ça. Dans un premier temps. Hein. Dans un deuxième temps, on verra. Hein, mais, et c'est pas non plus, si tu groupes tes plaies, c'est pas très grave de faire ça. Mais c'est quand même mieux, tes bois seront plus beaux sur celui-là que sur celui-là. Et quand il y a deux bourgeons côte à côte, lequel qui va sortir? Deux côte à côte a... Fais voir, fais voir. Là, il n'y en a pas deux là. Ah oui, t'as un double. Là, les deux vont sortir. Là, il y en a deux là aussi. Ils vont sortir, non? Ils font beaucoup de jumeaux? Il y en a ici. Ouais. Hein. Il y a de la vigueur. Hein. Donc en fait, tu pourrais en supprimer un comme ça, mais le risque c'est de poser problème à celui-là. Donc normalement, ça tu le fais pas maintenant, tu le fais à l'ébourgeonnage. Hein. Et des fois, il y en a un là et un en face. Alors ça, c'est rare. Hein. C'est rare, mais on en voit des. Ça c'est rare parce que normalement c'est la grappe qu'il y a. C'est ça qui se passe. Ou la vrille. Ouais, parce que là ce sont des bourgeons qui sont pas partis en entrecœur peut-être. Ça c'est bien un entrecœur. Alors ça c'était un entrecœur, mais l'autre c'est peut-être un bourgeon qui est pas parti. Ah oui. Notre bras, là. Ça, on est obligé de le laisser celui-là. Alors c'est un peu bizarre. Si on le laisse, non mais moi je me dis pourquoi pas. Alors là du coup c'est un cas d'école un peu, c'est qu'on a voulu refaire un bras ici. Alors bon il est quand même coincé, c'est pas génial. Mais si on le fait, on va pas faire un côte ici. Ça rime à rien. Il y a déjà tout le monde. Donc là on va amener la plante. Pour repartir, bon là on n'a pas de bol, si on en a un là, on va amener la plante pour repartir plus loin, on va pas faire un nouveau côte là, à la limite même il aurait fallu repartir ici, vous comprenez, pour arriver à utiliser l'espace. Si j'ai une critique à faire là sur cette parcelle là, c'est que souvent on a un espace ici, c'est-à-dire qu'on aurait pu écarter davantage les bois encore. Hein, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que ici c'est nickel. Vous voyez, regardez, un là, 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 et là, celui-là, on pourrait très bien se dire, j'en rajoute un ici. Hein? Si je fais ça, j'en aurai un là l'année prochaine, et donc là, je me retrouve encore un là, un là, un là, un là, un là, un là, vous voyez? Et après le reste, bah en fait tu vas quand même te garder un porteur ici. Alors tu peux. Là, regardez ici. On a envie de garder celui-là, est-ce qu'on peut le garder? Il est hyper coincé hein, celui-là. Donc là on va pas le garder. Donc ça veut dire qu'on va en garder un ici. Et ça c'est mort. J'enlève entièrement le sarment de 2 ans en fait. Hein, je suis allé chercher, je pourrais même aller chercher ici. Hein. Là j'ai toujours les yeux de la couronne, ça va pamprer ici l'année prochaine. Bon bah on aura celui-là aussi, bourgeon. Donc si on choisit celui-là, il faut enlever celui de dessous bien sûr. Et on en aura un là, un là. Donc l'idée est bien toujours de répartir la fructification, d'avoir une fructification rythmée quoi. Hein. Vous pouvez vous amuser à écarter, hein. Bon ça fait un peu plus de boulot, mais malgré tout, regardez celui-là, il ne demande que ça. Vous voyez, on en a un là, ok, pas de problème, donc là on va continuer dans cet axe-là, je vais plutôt choisir celui-là, parce qu'à mon avis, celui-là c'est même pas la peine, il est coincé. Donc je vais prendre celui-là je l'enlève, là ici j'en veux pas, ici tout de suite, celui-là, ça c'est coincé dedans, alors là pour aller couper ça, celui-là, je l'enlève, j'enlève les bourgeons, j'en veux pas là. Par contre, je peux pas en avoir un là, donc là, je vais de la même manière regarder où est-ce que je peux fabriquer un bras. Donc je peux le fabriquer ici par exemple, donc là j'enlève mes bourgeons. Je vais tenter le coup cette année. J'enlève mes bourgeons. Là c'est mort d'ailleurs. Voilà, tac. Et là, ah merde, voilà, c'est ça. Bon l'idée, vous la voyez, l'idée c'est de rajouter un bras ici. Et le fait de répartir comme ça, vous allez améliorer un peu. Surtout que on avait vraiment beaucoup de densité là, comme on a là. Je veux juste faire un petit brief provisoire là. Je veux juste vous faire un petit brief provisoire pour aller dans le sens de cette idée que les bourgeonnages c'est quand même un truc où il faut investir et il suffit pas de dire faites-le. Le temps là qu'on passe à donner des coups de sécateur là, un coup, 2 coups, pour rien, pour pouvoir enfin faire ma plaie là. C'est les 2 coups de sécateur que je viens de donner. Normalement, c'était 2 coups où je devais juste donner un petit coup de doigt à l'épamprage. Donc le temps que je passe ici là, il est plus long que si j'avais embauché du monde à épamprer. Donc économiquement, il faut quand même se poser la question de savoir si c'est bien d'économiser sur ce type de poste. Après, il faut des gens qui épampent, qui comprennent ce qu'ils vont épamprer. Il faut des gens qui comprennent ce qu'ils vont épamprer, mais bon ça... Ouais. Bien, en plus, ça, pas évident. Il faut les former. Le pampage qu'il y a en ce moment, c'est que le milieu du pied. Ça n'a jamais été fait. Ça, c'est pas évident. Après, il faut 2-3 personnes qui sachent épamper, quelqu'un qui reste à les guider. Mais c'est ça. Après, on peut pas... Moi, j'ai appris à tailler comme ça. Mon père me coupait tous les gros bois et me laissait les tourner les pieds. Quand j'ai fait une saison comme ça, mais si t'as pas compris, on peut te jeter à la garole. Ça fait 4 mois que tu fais comme ça. Non, il l'a pas fait parce que j'avais compris, j'étais pas trop con, quoi. C'est tout. Ouais, si le mec t'es à côté, tu dis non, il en laisse remettre sur tes pampes, il n'y a pas de secret. Les mecs, on montre 3 pieds, on s'en va. Tout le monde peut montrer 3 pieds, la vitesse et tout. C'est parfait, 3 pieds, c'est rien à faire. C'est pas 3 pieds qu'il faut faire, c'est 30 000. C'est là où est le problème. C'est le mec qui vient te montrer. C'est pas aussi évident que ça. Mais j'ai pas dit que c'était évident, mais après on peut trouver des gens qui ont plus ou moins envie de le faire. Tu peux pas travailler, t'es 5 ou 6, tu peux être dans l'équipe en train de travailler et de... Non, il faut passer... Non, mais j'ai pas dit ce que j'ai dit, Hugues. J'ai dit, il faut 3 ou 4 personnes... Je fais 1 jour en doublon. J'ai dit, s'il y a 3 ou 4 personnes à travailler, il faut qu'il y en ait qui fassent que regarder. Moi, je peux vous parler peut-être juste de l'expérience que je suis sur le château Mazères, où Jean-Michel, là, qui est le chef de culture, travaille vraiment là-dessus. C'est-à-dire que lui, les chefs de culture, lui, il sait s'il faut épamprer ou pas. C'est lui qui décide s'il faut épamprer ou pas. Après, derrière, tu as des chefs d'équipe qui travaillent dans les équipes. Et dans ces équipes-là, il y a quelqu'un qui s'occupe des gens qui travaillent à demeure et qui dit, bon, il y a ça à faire, elle les suit. Très rapidement, ils savent faire, puisqu'en fait, la logique de taille est la même pour tout le monde. Et après, cette personne-là sort de la vigne, va voir les saisonniers, prend l'équipe des saisonniers et elle passe tout son temps, cette personne-là, avec les saisonniers, à les briefer, à travailler avec eux, à dire hey non, tu vois, c'est pas tout à fait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En même temps, elle travaille avec eux en avançant jusqu'à ce qu'elle les sente indépendants. Et après, elle change. Ouais, hein, c'est magique, c'est magnifique. Je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais pour vous expliquer quelle est la stratégie qu'il faut employer si on a envie de former les gens, quoi. Hein. Ou alors, et en fait, attention, ils n'ont pas fait seulement ça en plus. Ils m'ont appelé moi, et moi j'ai passé ce qu'on fait là, je l'ai fait avec tout le monde, pas forcément les saisonniers, mais je l'ai fait avec toute l'équipe, et jusqu'à ce que toute l'équipe soit indépendante. Et donc forcément, au bout d'un moment, c'est un investissement, mais on s'y retrouve derrière, quoi. Hein. Donc en effet. La viticulture, si on veut avoir des bonnes équipes, eh ben, il faut non seulement les former, mais aussi, une fois qu'ils sont formés, c'est plus le salaire minimum qu'il faut leur donner. C'est le salaire de ce qu'ils font. Donc c'est quand même important d'aller dans ce sens-là, parce que plus vous ferez ça, meilleur ce sera. On l'a toujours pas sorti la calculette, je l'ai fait un peu comme ça vite fait, mais même en sortant la calculette, si vous avez quelque chose de mieux, moi ce que je m'aperçois, c'est qu'ici, non seulement j'ai à retailler, mais en plus de ça, j'ai eu moins de grappes. En plus de ça, j'ai eu des entassements de végétation. Enfin, si on fait le bilan, si on n'y arrive pas, il faut diminuer la surface à faire, quoi. Sinon, en fait, c'est pas rentable parce qu'on veut toujours faire plus et en fait, en voulant faire plus, on fait moins. C'est dommage et mal. Voilà. C'est facile à dire de l'extérieur, mais c'est le moment ou jamais pour moi de vous dire ça. Et c'est le moment ou jamais pour vous de l'entendre.